Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous toutes, mes chers amis. Ah, ça fait 4 fois que je recommence ici avec Capucin, que j'ai déjà joué Capucin. Là, il n'en peut plus. Et il y en a marre, surtout. Parce qu'à chaque fois, il remonte en haut pour aller dormir. Et puis, moi, je vais chercher. En plus, cet après-midi, j'ai fait une vidéo avec, mais après, il s'est caché dans mon armoire. Alors, il est intenable. Oh là, il va. Non. Là, il est très énervé. Il n'est pas content de moi. Je vais le laisser. Parce qu'il pourrait. Il pourrait bien me donner un gros coup de patte. Allez. Voilà. Alors, c'est vrai que normalement, je mets toi aussi. Viens. C'est que putain, non, je n'ai pas. Pas envie qu'il me griffe. Hein. Voilà. Allons-y pour cette chanson-là. Voilà, bien plus tard, ouais. C'est vrai qu'il est 1 h du matin. Mais bon, je voulais terminer à tout prix cette chanson. Non, moi, j'aurais arrêté depuis longtemps, là. Mais si exceptionnellement. Oui, parce qu'après la saison se termine, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est, Capucin. Allez, il y en a un parce qu'après il va remonter. Allez, oui, parce que je l'ai stressé tout à l'heure, mais là, j'ai réussi à l'avoir. Hein, Capucin? Alors, un bisou. Elle veut pas. Elle veut pas. Alors, je me méfie de ses griffes, surtout. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses, hein, Capucin? Donc, on va écouter cette chanson. Hein? Oui, on va te mettre les escaliers. Allez. Voilà. Alors, allons-y pour le café du grand amour. Et puis, si vous voulez, on se retrouve juste après cette chanson de Franck Michael. Merci et à tout de suite. Quelques tables, quatre ou cinq chaises un peu bancales, et le patron toujours aimable qui servait nos limonades. Dans cet endroit un peu bohème, éclairé par quelques lanternes, moi j'ai tout fait pour te connaître, pour qu'on parle en tête à tête, et nos cœurs ont fait le reste. Le petit café du grand amour, on l'appelait comme ça. Le petit café du grand amour, à cause de toi et moi. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas. Au petit café du grand amour, je n'attends que toi. Tous les beaux jours s'en vont trop vite, tous les avions s'en vont trop loin. La neige tombe sous les vitres du petit café bien triste. Même le patron ne sourit plus, il sait combien j'ai de la peine. Il a compris combien je t'aime, et pour cette raison même, il aimerait que tout revienne. Au petit café du grand amour, on l'appelait comme ça. Le petit café du grand amour, à cause de toi et moi. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas, au petit café du grand amour, où je n'attends que toi. Le petit café du grand amour,
joli nom, vraiment. Il nous a porté chance un beau jour, mais pour si peu de temps. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas, au petit café du grand amour, de mon amour. Ici avec le petit café du grand amour. Alors, si je me plantais, ah ben, j'aurais pu te rechercher Capucin. Et on va terminer ici, bien sûr. Voilà. Alors, je voulais terminer avec cette chanson-là, le petit café du grand amour. Et avec beaucoup de stress, je vous l'avoue. Mais bon. Ça va aller quand même. Ah, mais si j'avais préparé aussi un tabouret pour changer. Voilà. Voilà. Si j'ai pas réveillé la baronne, elle s'en fait des bons dans son lit. Ah, oh, mais c'est pas très grave. C'est pas tous les jours non plus. Voilà. Bon, ici, comme je vous ai dit, bien sûr, la saison se termine. Donc, je suis encore avec vous, bien sûr, si nous sommes déjà ravis, mais le début de la semaine, je serai encore avec vous, je pense, lundi, mardi prochain, la semaine prochaine, et après, bon, je ne sais pas, je verrai, parce que j'ai toujours des petites choses à faire et tout ça. Bon, j'ai mes courses aussi à faire, j'ai beaucoup de provisions, tout ça. Tout ce qui peut se conserver, l'eau aussi, même surtout pour notre cher ami Capucin, parce que j'ai interdit de boire l'eau combinée, comme on est habitué, il boit de l'eau de bouteille, voilà. Mais moi je ne bois jamais l'eau de robinet. Et donc, c'est fatigant aussi, toutes ces courses et tout, on ne sait jamais qu'il y aurait une pénurie, donc au mieux, mais bon, ça nous coûte aussi de l'argent. Même. Bien sûr, on ne peut que penser aux commerçants, tout ça. Que, ça ne doit pas être marrant pour eux, qui n'ont plus de clients et tout. Donc, c'est vrai que c'est. Enfin, bon, en Italie, tout ça, et c'est un peu partout. Et puis, moi, de toute façon, les vacances sont annulées. Alors, je n'ai pas envie de rester coincé dans l'avion. Non plus. Ou bien à l'aéroport, même, on peut trouver ça à l'aéroport, mais non, on peut éviter ça. C'est désagréable. Surtout qu'il aura fait, dit, quoi. Ils en parlent assez, donc il faut quand même respecter. Il vaut mieux pas non plus être tenté. Voilà. Alors ici, bien sûr, je pense à tout ça comme vous, hein, c'est le virus. Dès qu'on allume la télé, de toute façon, on n'entend que ça. Maintenant, je peux mettre n'importe quelle chaîne, tant que ça. Bon, je ne regarde pas beaucoup les films, je regarde beaucoup tout ce qui est actualité, j'aime bien être informé, c'est ça qui m'a griffé. Vous avez vu comment il était tout à l'heure. Oh, un petit monstre. Ou un gros monstre. Ça sent qu'il y a une griffe quand même. Mais c'est dangereux. Donc je vais quand même désinfecter aussi. Alors, on ne sait jamais. Voilà. À moi. Je sais ce qu'il me reste à faire ici. Je dois encore tout manger, tout ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de boulot. Et après, bien sûr, j'espère qu'on se retrouvera. On se retrouvera, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Donc, dans ma prairie magique, bientôt, ça va aller vite. Encore 2 petits mois à attendre, à patienter. Mais il faut aussi que je
tout temps que je vous mets tout en ordre, bien sûr. Et vous êtes là aussi pour m'encourager et me donner un coup de pouce aussi pour relever ensemble cette prairie magique qui est très très fatiguée aussi en ce moment. J'ai pas vu depuis 3 semaines que j'ai pas été au moins là-bas. Voilà. C'est vrai qu'on a eu un drôle d'hiver aussi, trop doux. C'est peut-être ça qui a provoqué aussi ce virus. Je suis persuadé. Dans ce moment, c'est comme la grippe. Si ça va s'estomper avec la chaleur et tout. Je ne sais pas trop. C'est possible, mais ça m'étonnerait fort. Au mieux y croire. On ne sait pas trop parce que c'est un nouveau virus. Aussi, les grands chercheurs ne savent même pas. C'est pas moi qui va vous parler de ça non plus. Voilà. C'est vrai qu'ils en parlent tellement que je ne peux pas faire autrement que de ne pas en parler non plus. Ça va être tellement dans la tête. Mais bon, en faisant mes chansons vidéo, j'essaie d'oublier un petit peu. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, de vos gentils messages que vous me laissez chaque jour. Je sais que je vais me dépêcher là. On se retrouve sur notre vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.